On a un avion qui nous attend. Allez, allez, ça allez. Va, Bobby Boy. Ouais. Ça va et toi, Clétus? Non mais gros, je suis encore traumatisé de dire là. Mais vous savez pourquoi ils nous ont tiré dessus? Ah, ça va, ouais. Moi je sais, c'est la faute de Bobby. Non, c'est la cause de Bobby aussi. C'est la faute d'Abid. On vient d'arriver, tu m'accuses déjà. Qu'est-ce que je fous là? Baby girl, ça va? Je te cherchais partout. Mais c'est pas un flashback, c'est ce qui vient d'arriver. Bah oui, c'est ce qui vient d'arriver, les gars. Ils parlent de ça, mais c'est dommage qu'on les entende. Putain, à cause de moi, j'ai volé le katana du grand maître. Oh non, monte dans la vie, hein, je me sens plus dépêché. Il est où le katana maintenant? Bah, j'ai tué. T'as même pas le temps de visiter des japonais. Donc, t'as volé le katana, tu l'as laissé. Allez, on se dépêche. Nous, les américains, les voleurs, ils avaient raison. De quoi? Tu l'as mis où le katana du coup? Mais bah, l'a laissé en. Ok! T'as volé un katana? Non, c'est pour dire qu'en fait on est de retour, donc on est plus au Japon. C'est trop gang! Genre tu l'as sur toi? Non, il l'a laissé en partant, je pouvais pas le prendre avec moi. Ah ouais, mais non, mais tout ça pour rien! Bah du coup, on est plus au Japon. Regarde sur ton téléphone. Mal au crâne, ça va ou quoi? Le katana du maître Chin. T'as trouvé? Bah non! C'est normal, j'ai tout inventé, j'ai rien volé! Ah putain! Vas-y, je comprends en plus! Putain, naïf que je suis, bordel! Je suis trop naïf! Bah ouais, mais Kirby, je t'ai déjà dit quoi là? T'étais trop naïve! Je suis trop naïf, j'ai cru Brandon! Ça va ou quoi, mes petites bichettes? Kirby et Jordan, vous allez bien ensemble? Eh, toi, je sais, c'est ma petite fleur des îles! T'es trop moche! Vas-y, venez voir, venez voir! Ma petite fleur des îles! Bon! Eh, ça te va bien ce pantalon, baby girl! Eh, va. Merci! Eh, Kirby, tu t'arrêtes jamais, c'est un truc de fou, hein! Quoi? Si, je m'arrête. Voilà. Mon petit fleur des îles. Eh, ça va. C'est quoi si Baby Girl serait faite tuer dans la course poursuite? Jamais dans vie. Jamais. T'aurais. Alors... Moi, comme dans Matrix, j'ai vu que les balles. Bah. Ouais, j'en doute. Hein. Ouais, Vous avez ramené quoi là du petit voyage là? Rien. Moi, si, des canevas. Attends, t'as ramené quoi? Des quoi? Non, des roses blanches. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je sais pas, ça va ou quoi? Des roses? Eh, t'as laissé ta dentition au Japon ou quoi? Pas normal! C'est un truc de fou! Moi j'ai récupéré des cendres. Je sais pas c'est des cendres de qui? Ouais, je sais pas justement. Attends, mais t'as trouvé les cendres d'un mort et tu les as mis dans ta poche? Non, je les ai mis dans un. J'ai pris le bocal et je me suis dit ça peut peut-être servir. Donc là, genre y'a pas un nom? Attends, là t'as. Yo, ça va ou quoi, tête d'ampoule? Ça va et vous? Bah ouais, ça tranquille, va, carré. Ouais, ouais, tranquille. On est en train de manigancer, on pour veut pour de vrai, il s'est passé quoi au Japon? Non, j'ai pas volé le katana. Bah, tu l'as bien vu, on s'est fait tirer dessus. Les Yakuza nous aimaient pas. Ah ouais, non, c'est vrai, il a pas volé le katana, il a dit en katana baby. C'est ça que j'ai dit. Eh, tu sais pourquoi on est de retour là? On vient de te le dire, Brandon. On s'est fait poursuivre, tirer dessus, et on a dû foncer dans l'avion pour rentrer aux États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh, t'as con, toi. Les gars, on s'en mort. Faut que je vous dise un truc. Ouais, on est 6, on est 6, on va carré. Est-ce que vous avez vu le concierge? Ouais, si. Apparemment, ouais. Tu l'as vu? Bah, au Japon. Dans le sous-sol. Mais est-ce qu'il est revenu? C'est ça le problème, vous l'avez pas vu dans cette école, et je crois, à cause de moi, il est resté bloqué là-bas. Mais non. Oh, vas-y, la dingue. Ah non. Il a dû revenir. Bah, dans la course poursuite, on n'a pas dû le voir, mais il doit être là, c'est sûr. Non, mais Amine, il était pas censé aller au Japon, c'est toi, tu l'as emmené dans ta valise. Bah oui, mais j'ai pas pu le ramener. Putain. Ah, mais il a dû courir, il est malin. Tu l'avais emmené avec toi, Amine? Il est malin. Ouais, il était dans la bibliothèque. Il est rentré dans une valise. Ouais, on l'a caché après. Et j'ai mis du shit dans les poches de Bobby, l'univers, pour pouvoir simuler la valise. Ça va ou quoi, mon Bobby? Oh, bien joué, hein. Ouais, pas mal. Attendez. C'est qui? C'est qui, ça? Ouais. Comment ça? C'est qui? Ouais, mais ouais, calmez-vous, vous m'avez pas reconnu, c'était pas un taliban. Attends, j'enlève mon truc. Bizarre, c'est moi, les refs. Ouah, putain! C'est un truc de fou. Ouais. C'est le serial sucker, ça va ou quoi? Dis quoi? Bah on est là, frérot, on est là, on est Zeppo, mon gars.
J'ai accepté avec la boule au ventre. J'ai accepté avec la boule au ventre. Franchement, ça te va bien que j'enlève comme ça. Ouais, t'as vu, t'as fait ressortir sa couleur de peau. Les gars, on peut pas se laisser faire. C'est grosse lèvre. Faut qu'on monte en l'air les profs. Mais attends, mais tu veux monter en l'air qui? Mais John, monte en l'air les John, peut pas se j'ai entendu hier que t'es en train de sucer quelqu'un. Tu veux parce que on est de retour dans cette école. Les gars, c'est à cause de John. Mais oui, il a sucé le Yakuza. J'étais plan 3 Yakuza. Quoi? J'ai planté 3 Yakuza. T'as sucé un Yakuza? Attends, t'as eu un plan à 3? Planté comment? En fait, je vous explique. Ah, tu leur as donné rendez-vous et t'es pas venu? Non, c'est pas ça. Écoute-moi, laisse-moi parler. Sinon, je vais te baiser. En fait, ils m'ont dit, viens avec nous, tu vois. Ouais. J'en ai sucé un, j'ai sucé le chef là, et en fait, il m'a mis. Oh la dingue! Ouais, il m'a mis dans un coin, et il m'a dit, bah, maintenant tu vas sucer tous mes potes. Ah, mais vois, je te l'avais dit, c'était un plan, je sais pas soutenir, bon, man. Il m'a forcé à sucer. Sauf que t'as vu, moi j'ai fait. Moi je fais quand c'est forcé. On t'a kiffé, hein, je suis sûr que t'as kiffé, man. T'as forcé. Non. T'as kiffé avoir le gros chip dans ta bouche. Excusez-moi. Attends, laisse-le parler, Kirby. Kirby, tu t'emballes. Ouais, un peu, Kirby, là. J'ai dit, excusez-moi. Tu peux parler ou pas? Ouais, non, par contre, vas-y, fais pas le fou, le gobeur là. Non, mais ça y est, laissez-le finir. Eh ouais, mais fais pas le nerveux. Mais arrête, laisse pas parler, je suis d'accord avec lui, moi. Vas-y, tout le monde laisse parler, John, c'est bon. Vas-y, parle, Brandon. Merci. Du coup, genre, il m'emmène dans un coin, il m'a dit, vas-y, suce mes potes. Mais à un moment, elle, Yakuza, ça. Mais ta gueule, laisse-le parler, il va nous dire pourquoi. Non, bah, John, vas-y. Viens, pour lui, on arrête. Le premier qui parle, tu le plantes, vas-y. Oh, si, mais attends, je prépare. Pardon. Ouais, je disais, en gros, il m'emmène dans un endroit et ils m'ont mis à. Laissez une place à Steven Seagal, là. Ils m'ont dit putain, mais c'est dingue. Ils m'ont dit à genoux. Et sauf que t'as vu, moi j'étais pas à l'aise, t'as vu, parce qu'en plus, vas-y, frère. Après, accélère genre, toi aussi, frère. Non, mais ouais, j'avoue. En fait, genre la taille, c'est pas ça, t'as vu. Ouais, vas-y, genre, dépêche. En fait, la vérité, la taille, c'est pas là. Ça dure 10 minutes. Amine, je vais t'enculer. Laissez-le parler. Du coup, c'était pas ça. Bref, ils m'ont mis dans un coin. Et je leur ai dit, les gars, en vrai, t'as vu, je suis pas trop à l'aise, je suis pas trop consentant. Ils m'ont dit, fais-le. Je leur ai dit, les gars, s'il vous plaît, messieurs. Ouais, c'est des fous, tu vois. Et en vrai, gros. C'est pas, je me mets à genoux, t'as vu, genre le bouc, il dégaine son. Il enlève son pantalon. Et là, gros, genre, je plante leur daronne, gros, j'ai planté le chef, planté ces deux bougs. Et gros, et après, je suis allé me cacher dans le faux plafond. Mais ça a causé un truc. Du coup, t'en as tiré dessus. Mais en fait, c'est lui Oussama Ammar, frère. Et gros, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai qu'il y avait Oussama Ammar là-bas. La vie de ma mère, écoute-moi, la vie de ma mère, c'est vrai. C'est bon ou pas? Ah bah, c'est bon, c'est bon. Mais attends, mais c'est pour ça qu'on s'est fait Raphaël et Zougrin. Ah ouais, moi, bah je oui. pense. Hein. Bah oui, c'est moi le héros. C'est moi le héros de. Le héros, il a dit le héros. T'as détruit notre voyage. Mais oui, frère, sa mère, le voyage. Eh, les gars, je crois pas qu'on va. Je crois pas qu'on va te sucer, sans mauvais jeu de mots. Le chef des Yakuza à cause de toi, sale chien. J'avais un job. Je l'étais plan, ce fils. Depuis, tu m'as donné 10 000 balles. J'allais invoquer le démon ultime. Moi aussi, il m'a donné 10 000 balles. Bah voilà, bah le démon ultime, attendez, faut que je vous parle. Non, parle-moi mieux, toi. Non, c'est pas de l'école. Toi, tu veux nous parler de quoi depuis tout à l'heure? C'est pas parce que t'as les cheveux longs que je dois te respecter. Vas-y, venez, on va dans une chambre. Venez, ah ouais, c'est carré dans la chambre. Arrête, Kirby. T'es trop excité en ce moment, t'es trop excité. Il y a tes hormones qui commencent. Je te l'ai dit, tu m'excites. Ça va. Tu t'appelles comment toi déjà? Moi, c'est Hamid. Ah oui, ça va ou quoi? C'est Jordan, mon ref, carré. T'es un nouvel élève? Carré comme ta teuté. Vas-y, on y va. Les choses sur moi avec ta coupe Vivel Dop là. Mais frérot, tu t'es foiré sur le rasage, t'as coupé la moitié de tes veuches. Ouais, regarde, t'as une virgule, t'es sponsorisé Nike enfoiré ou quoi? Vas-y, viens à gauche au lieu de bégayer là. Mais attends, on est où là? Oh là là. Mais c'est, attends, c'est. C'est chez Amine ça. Attendez, mais les tables de. Les chambres de meufs, c'est pas ça, c'est le néant. J'ai entendu, genre. Mais c'est la chambre. Bah ouais. C'était pour faire un tour avec Aina, mais elle est morte, qu'elle représentait. Comment ça, elle est morte? Elle est morte, elle est virée, c'est un dessin. Bah oui, elle est pas morte. On m'avait dit qu'elle était morte, pardon. Mais non, il est bizarre lui. Pardon. Ouais, t'as quoi à nous dire? Ouais, du coup, on a eu une discussion avec les verts et les jaunes, ok? Et on s'est dit qu'à l'heure actuelle, on ne prenait pas la bonne direction. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, l'école, c'est un truc de fou. Il y a des gens bizarres partout, il y a des gens qui meurent, il y a plein de théories, on ne sait pas ce qui se passe. Et on est tous là à faire des enquêtes dans notre coin. Donc, je ne dis pas qu'on devrait tous donner, mais au moins de temps en temps, essayer de marcher un petit peu plus ensemble pour découvrir plus de choses. Donc, tu es en train de dire là qu'il faut se serrer les coudes. Se serrer les couilles. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de te dire, man. Ou se serrer les couilles. Et en fait, pour être honnête, tout le monde a peur des rouges. Genre, vraiment, tout le monde a peur de vous. Ah, c'est vrai, moi j'ai pas peur d'eux, par contre. Toi,
quoi, vous avez peur? Absolument. Oh, ouais, ouais, je crois y a personne ici qui a peur des rouges. Vous avez peur? Non, exactement, man. Mais t'es con ou quoi, man? Si. Eh, moi j'ai parce que vous, on a l'impression, on va vous donner le doigt, vous allez nous mettre le bras dans le cul en fait. Quoi? Ah, mais ça, ouais, voilà. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Mais on a pas cette. J'ai pas cette impression. Les rouges, c'est des hypocrites, je le dis. Ah ouais, bah ouais. Grave. C'est des gros suceurs, des gros suceurs. Des gros suceurs. Bah attendez, Brandon qui nous traite d'hypocrites, personne va rien dire là. Non, carré, ce qu'il a dit, carré. Moi je suis une merde et je l'assume. Voilà, carré. Ouais, merde, Brandon, toi tu sais plein de choses dans le lycée, t'es celui qui sait le plus de choses et tu vas rien nous dire. Rien à faire à cette table ronde. Non, en vrai, c'est pas vrai. Brandon, à part si tu nous dis trois infos là maintenant. Attends, j'ai donné des informations, moi. J'en ai donné des informations. Brandon, tu poses tout sur la table, sinon je plante ta mère. Ouais. Bien sûr, je rigole. Écoutez, je sais qu'il y a quelque chose qui s'active dans cette école et il faut être plusieurs. Je suis l'élu. C'est ce que le rat m'a dit. Quoi? Oh, Néo. Quel rat? Exactement. Mais je pourrais pas vous donner plus d'informations. Attends, t'as parlé avec un rat, bâtard? Oui, vous allez pas me voir, mais moi je parle aux animaux. Tu parles aux animaux. Ah ouais, non, mais attends, mais tu t'es cru dans les animaux. Tu parles au cercle. Attends, non, mais. Attends, 2000. Eh, Marcelino, calme-toi. Comment ça, tu parleras à toi? Toi, tu seras pas dans le groupe déjà, voilà, je te le dis. Bah, tu sais quoi? Eh, la pépite, tu te la mets dans ton cul, tu vois ou pas? Bah, je m'en fous. Bah, voilà, carré. Bah, vas-y, carré. Pourquoi je t'aiderai pas, toi? Bah, vas-y, Marcelino, va parler aux éléphants là-bas. Je vais vous donner aux rouges. Venez, les rouges, je s'en fous. Non, attendez. On n'est pas fait pour s'entendre, allez vous faire. Moi, je vais pas jouer en équipe. Il a quoi, Steven Seagal? Moi, je vous baisse. Tu baisses personne, toi. J'ai juste besoin de. Tu baisses personne, toi. J'ai juste besoin de plus, moi. Vas-y, on se calme. Vas-y, écoutez, John! Écoutez-vous, frère, tout le monde parle en même temps, on comprend mieux. Ta grand-mère, à part sucer, tu fais quoi, toi? Bah ouais, John, vas-y. Oh, waouh! Vas-y! Des gommes bleus! Waouh! Il est sorti de la salle! Ouais, putain! Waouh! Vas-y, carré! Oh! On se calme! On se calme! Vous dites que j'ai dit que vous parlez plus. Vas-y, carré, tranquille avec ta tête de Clio 2, bâtard. Vas-y, arrête, tranquille. Il mérite un petit coup de jus. Allez, donne-lui. Arrête, bâtard. Arrête ta mère. Vas-y, putain, là. Oh merde, ça sonne. Ok. Vas-y, arrête, bon. Vas-y, casse les. Oh, c'est gars, arrête là. On bossera au jeu devant l'école. Vas-y, on peut plus manger les fruits là, bâtard. Eh frère, il y a une trace blanche dans la chambre, c'est chelou. Vas-y. Vas-y, t'es sérieux par contre, pourquoi tu m'as tasé, bâtard? Frérot, tu me zaraffes avec ta coupe fixation béton là. Mais frérot, tu parles, hey, tu ressembles à un criquet de voiture, bâtard. Reviens là. Oh, reviens le tracteur. Youtubeur. Vas-y, Brandon, viens s'il te plaît, deux minutes, Brandon. Vas-y. Vas-y, tu sais quoi? En vrai de vrai, pour tout à l'heure, je m'excuse, t'as vu? Ok, j'accepte tes excuses. Voilà, carré, je voulais vraiment pas. Moi, je veux juste m'en prendre à ces bâtards avec leur tête. On se taquine tout le temps. Voilà, moi, je voulais juste m'en prendre. T'as vu, il m'a tasé. Voilà, moi, je veux juste m'en prendre au rouge, ok? Ouais, vas-y. Vas-y, excuse-moi, Brandon. Pour la pépite, tu sais alors? Non, je sais pas encore. Je sais qu'il y a un truc qui s'active à plusieurs, mais je suis dessus. Dès que je trouverai, les bleus seront priorisés. Mais okay. S'il faut être plus que des bleus, alors, attends. On devra recruter d'autres personnes. L'histoire du rat, c'est vrai? L'histoire du rat, c'est vrai? Je te le jure, c'est vrai. Mais faut pas que tu le dises. Carré. Moi, je parle aux animaux. Je peux le dire à Si un jour tu vois des animaux, ramène-moi, je leur parle. Ouais, vas-y, carré. Je suis littéralement Marcelino, pour de vrai. Ok, ça roule, vas-y. Je préfère Luffy, donc appelle-moi Luffy, parce que Luffy, il parle pas les monstres marins, un peu comme les pirates légendaires dans One Piece. Je sais pas si t'as lu One Piece. C'est pas le mec qui sait pas nager, ce bâtard, il est pirate? Ouais, mais t'inquiète. Ok, carré. Ça n'a pas de sens, tu veux pas être pirate, wesh. Tu vas voir, c'est grave intéressant. Ouais, mais pourquoi tu veux être pirate si tu sais pas nager? C'est débile, t'as vu. Justement, c'est là où l'oxymore de l'œuvre est créé. L'oxymore, des pirates qui ont mangé des fruits du démon ne peuvent pas nager. Fruits du démon, pirates. C'est quoi ça, des... Ah, mais le fruit du démon, ça, je connais ça. Bonjour tous les gamins. Il y a un Martiniquais, il m'a ramené ça, t'as vu. C'est carré de fou. Ça va ou quoi, Aziz? On se voit après. Oh putain, je suis encore. Attends, ma tenue. Vas-y, carré. Comment ça va, les verts? Ça va et toi? Excusez-moi. Ça va? Ouais, ça va. Ah putain! Ah, mais y'a de la lave qui sort! Ah, il a les dents des fonds qui baignent, ce bâtard! Là, je veux vous dire quelque chose. C'est vraiment agaçant à chaque fois de devoir vous attendre. Il y a une sonnerie, ça sonne, vous venez. D'accord? Si vous venez pas, ben ce sera une exclusion pour la journée. C'est plus possible. On peut pas se permettre de perdre du temps à chaque fois.
on vous l'a expliqué, le voyage a été écourté. Il y avait plein d'activités à faire, vous avez dû rentrer en urgence, il y a eu des faits graves qui ont été commis, il y a eu des choses très graves qui se sont passées. J'ai l'impression que ça fait rire tout le monde, que personne prend ça au sérieux. D'ailleurs, Romuald, vous voulez un coup de main? Vous voulez un coup de main, Romuald? Désolé, monsieur le professeur. Lorsqu'on se balade avec des extincteurs, d'accord, dans l'école, on vous voit. On vous voit avec un extincteur derrière votre dos. Donc, les extincteurs qui sont dans l'école, ils sont pas faits pour être dérobés. Ils sont faits pour être mis dans l'école en cas de départ de feu. Parce qu'il y a un départ de feu qui peut y avoir à tout moment dans l'école. Donc, j'aimerais qu'à d'ici la prochaine récréation, tous les extincteurs qui ont disparu dans l'école, parce qu'il y en a plus d'une dizaine, soient reposés à leur place. C'est bien entendu. Oui, monsieur le proviseur. Ça, c'était un point important. Oui. Ensuite, il y a les forces de l'ordre qui vont arriver par rapport à ce qui s'est passé. En attendant, je vous présente votre nouvelle surveillante. Suite à l'absence de monsieur Ganesh, la police a donné plus d'informations sur la situation avec Ganesh. Il s'est passé quelque chose de très très grave. J'espère que vous en êtes conscient ici. C'est pas quoi, vous êtes tous conscients. Moi, j'ai eu super peur. Moi, j'ai pas vu en courant. La police va vous faire le résumé. Mais je crois qu'il s'est fait tirer dessus, je crois, non? Ouais, moi, j'ai pété. Et s'il vous plaît, accueillez votre nouvelle surveillante, s'il vous plaît. Merci, Rasra. Bonjour, Joshua. J'espère que vous savez. Je vais chercher les forces de l'ordre. Regardez la démenade. S'il vous plaît. Silence pendant que les forces de l'ordre parlent. Ne nous faites pas la honte, s'il vous plaît. Mais attendez, mais les gars, mettez-vous devant tout le monde. Montez. Voilà. Oh, il y a le concierge. Bonsoir, monsieur, je suis bien. Mais l'antenne. Excusez-moi, je suis désolé. À chaque fois, je fais apparition. J'ai l'antenne et il a bien. On laisse la parole et ils vont arrêter de discuter en même temps que vous. Il est déformé, ce bâtard. Je vous remercie. Silence, s'il vous plaît. Écoutez, je suis terriblement désespéré. Je passe énormément de temps dans ce lycée. J'ai des enquêtes sérieuses à faire et je me retrouve avec des guignols qui font des choses extrêmement graves. Ici, nous avons deux énergumènes. Monsieur Joshua et monsieur le concierge, comme vous l'appelez. Vous savez que monsieur Joshua était exclu pour des actes. Il est faux, d'accord ? Ah, merde. Et celui-ci va avoir de lourdes conséquences, d'accord ? Il a la chance qu'il est mineur. Mais celui-ci encourt plus de 2 ans de prison dès sa majorité. Et maintenant, porte un bracelet électronique, d'accord? Par chance, madame la juge lui a laissé une opportunité de finir ses études ici. Mais cette chance ne se réitérera pas. Donc, monsieur Joshua, vous pouvez être très content de cette chance qu'on vous donne. Mais sachez que vous serez l'un des seuls, d'accord? Oui, d'accord, monsieur. Je respecterai votre décision. Démutez-le, s'il vous plaît. Et ici, monsieur le concierge, d'accord? Encore plus hallucinant que ça l'est, monsieur le concierge a été rapatrié de force puisque il voyageait illégalement sur un territoire, dit le Japon, dans une valise d'un élève. Alors sachez, on est en train d'enquêter fortement sur la chose et sachez qu'on a des grandes pistes par rapport à tout ça, d'accord? Nous sommes en train d'analyser les ADN. Des slips usagés ont été retrouvés dans la valise et nous allons retrouver qui c'est ici, d'accord? Alors, ça ne serait-ce que tarder. Monsieur de la police, faut t'avouer à moitié pardonné? Exactement. Yes. C'est faux. Monsieur, oui, celui qui avouera aura de... Demande, on a quoi comme... Des avantages, on va dire, d'accord? Bon, monsieur le concierge va encourir une amende lourde, d'accord, monsieur? Messieurs. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez dire un truc pour défense? Je donne l'exemple, monsieur, vous savez. Parle pas. N'est pas d'argent, monsieur le proviseur. J'ai signalé disparu ce trou du cul. Ah oui? Eh bien, écoutez, il était tranquillement dans une valise d'un élève. Il était au Japon. Il a fait des conneries en plus. Je vais m'occuper de lui. Il était habillé en rouge. Comment il est rentré dans la valise? Désolé, monsieur le proviseur. En rouge. Vous allez passer au tribunal, monsieur. Et tâchez d'être très, très, très sage, d'accord? Ouais, j'ai encore l'argent. Excusez-moi, monsieur l'agent. Surtout, les élèves sont extrêmement inquiets pour. Par rapport à la situation de monsieur Ganesh, moi j'ai pas eu de nouvelles, est-ce que vous avez pu en avoir? Personne n'est inquiet. C'est un peu délicat, vous voulez que je le dise devant les élèves ou Oui, on est transparent dans cette école, il y a pas de souci. Très bien. Alors, suite à de grands problèmes que nous allons régler dans quelques secondes, monsieur Ganesh a malheureusement été rapatrié d'urgence également ici, mais pas dans les mêmes états que monsieur le concierge. Celui-ci a pris des balles de 9 mm en plein torse. Yes, 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 yes. Oh là là, c'est fou.
C'est un surveillant qui est venu vous accompagner lors de votre voyage et qui s'est sacrifié pour vous. Vous devriez le respecter. Monsieur Sepio, vous auriez pas eu une once de courage de faire ce qu'il a fait pour vous. Bon, oh, Kadesh, putain, pas Kadesh. Il est entre la vie et la mort, monsieur dame. Un Potter en plus, au moins. Bien. Donc, monsieur Ganesh est actuellement en coma artificiel. Je vous passe les détails. Mais il est mort? Non, non, oh, il est entre la vie et la mort. Coma, coma, coma. Venez devant moi. Il est pas mort, mais il est pas vivant non plus. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Non, il a dit coma artificiel. Monsieur le proviseur, on va vraiment avoir cours alors que notre CPE est entre la vie et la mort. Oui, vous allez avoir cours. Ça, ça concerne pas monsieur l'agent, ça me concerne moi personnellement. Et les cours sont maintenus, on a un programme scolaire à terminer. Et les cours sont tout à fait maintenus. Ce qui est de la santé de monsieur Ganesh. Merci Vancefield, merci mon frérot. Pour votre surveillant, se remettre sur pied le plus vite possible, si c'est possible, bien entendu. Pas chirurgien, monsieur. Il est... Monsieur, excusez-moi, je suis pas chirurgien, et vu tout ce qui a été mis comme menace en place, on va sécuriser, on va tripler la sécurisation de l'école à cause de tout ce qui l'encourt. Donc la police va tourner autour de l'école pour la sécurité et nous vous demanderons de ne pas sortir très loin, d'accord? Très bien, et j'ai également besoin que monsieur John Surdoug s'avance, s'il vous plaît. Oh. Il arrive, il est parti aux toilettes. Espèce de trou du cul, tu vois, tu prends tes affaires, tu vas te changer. Ils ont dit qu'il était dans une tomate, j'ai pas compris. Parlez-lui bien, Wesh, monsieur le policier. Monsieur la police, la droite t'a Mayweather. Il lui a mis une tête pas. Ouais, Surdoug, avancez-vous. Il est là, Surdoug. Le proviseur, il vient de mettre une patate au concierge. Ah, j'ai pas vu. Pas vu, oui. Pas pris. Hein. J'ai pas vu. avancez-vous, avancez-vous, Surdoug. Monsieur John Surdoug, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah oui, c'est vous? Parlez. C'est moi. Oui, c'est moi. Oula, ah, c'est ta gueule. Waouh. Eh, t'as sucé trop de bite, bâtard. Ouais, il faut se laver les dents. C'est le sucer, s'il veut sucer, c'est son choix. S'il vous plaît, laissez monsieur l'agent, laissez l'agent terminer. Tu t'y connais, monsieur Surdoug, s'il vous plaît. Ça suceur, sa chance. Très bien, monsieur Surdoug. Vous êtes actuellement arrêté au nom de la loi, monsieur. Quoi? Ouais. Pourquoi, monsieur? Il y a un dieu. Pourquoi vous dites? Carré. Mais il y a toujours un problème dans notre classe. C'est lourd. Monsieur John Surdoug, dans votre valise, il y avait une arme blanche. Le type couteau, d'accord? Celle-ci était ensanglantée, monsieur. Donc, monsieur John Surdoug, vous êtes arrêté par la loi. Les accusations sont suivantes. Possession d'armes blanches, type couteau, ensanglantée dans votre valise. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant une cour de justice, monsieur. Vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit à l'avocat et un appel EMS, ainsi que la nourriture, monsieur. Carrément, Dieu existe. Taisez-vous, les gamins, là. Allez, levez-vous. T'inquiète, John, tu vas kiffer en prison. Je vous expliquerai ça au poste, d'accord. Allez, avancez. Tu vas pouvoir secouer tout le monde, bâtard. Les élèves, Suce Baron. J'ai l'impression que tout ça vous fait rigoler. La situation de Ganesh, la situation de Surdoug, la situation de John. C'est très, très grave. Moi, je suis terriblement inquiet pour vous. Il va falloir vraiment vous ressaisir et faire le nécessaire pour pouvoir terminer ce cursus scolaire correctement et obtenir vos diplômes, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes là pour un but précis, réussir dans la vie. Et là, j'en vois pas beaucoup qui vont réussir dans la vie. On a eu des nouvelles de pourquoi notre professeur a été assassiné, parce que ça, on n'entend plus parler de ça non plus. Hein. Quel professeur? De chimie. On a retrouvé son bras sur votre bureau. Ah oui, bah écoutez, l'enquête a pas avancé. Moi, aujourd'hui, je suis innocenté. Bien entendu, cela va de soi, je ne suis pas un meurtrier. Je sais pas où mène l'enquête. Je sais que Bobby Junior est lourdement suspecté. Je sais qu'une enquête tourne autour de Bobby Junior. Ah ouais, Bobby. Je sais que voilà. Oh la dingue, Bobby dans la sauce. Attends, ça fait un peu quoi? Ah, t'es un tueur. On en saura plus. On en saura plus rapidement. En attendant, je vous demanderai de respecter votre camarade qui est innocent jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Voilà, merci. Il a rien fait. Merci. Demandez maintenant à proviseur de bien vouloir aller en cours et un petit commentaire s'il vous plaît. Mettez bien vos tenues de classe à la récréation. Là, je vois qu'il y en a pas mal qui ont eu le temps de se changer. Ne l'oubliez pas, d'accord? Monsieur le proviseur, je vous rappelle du planning parce qu'il y a certains profs, on est un peu perdus là. La classe numéro 1, vous êtes en sortie fond marin avec le professeur des SVT. Yes. La classe numéro 2, vous avez foutu
Ouais, on est en foot. Les verts, vous avez anglais et c'est les bleus qui ont foot. Venez. Ah, carré. Oh, carré. On se casse là. Putain, t'es chier. Ouais, ouais, ouais. Tellement heureux de vous retrouver, monsieur le professeur. Ah, ah ouais, c'est un plaisir. Moi aussi, je suis heureux de vous retrouver, Patoche. Ah ouais. C'est vrai, c'est mensonge, les gars. On aura le droit de boire de la bière pendant le cours, monsieur? Bien sûr, mais attends, c'est football, il y a la troisième mi-temps. Ah, voilà, voilà. Ça, c'est notre Patoche. Les gars, petite devinette. Vous savez pourquoi la vache, elle a des gros yeux? Non. Attends, pourquoi la vache? Et vous verrez. Eh, vous avez. Oh, ouais. J'ai entendu cette même blague la semaine dernière. Et vous savez pourquoi les hommes ils s'assoient toujours les jambes écartées? Ils vont avoir mal au boule. Non, pour faire respirer leur cerveau. C'est nul. J'ai pas. C'est pas mal quand même, c'est pas mal ça là. Elle est mieux que celle d'avant. J'ai pas compris. Pour faire respirer leur cerveau, man. Ah, parce que le cerveau c'est le zizi? Ouais, c'est ça. Bon, les vestiaires, vous connaissez les gars. Rigole, sinon on va dire passer pour eux. Eh, Patoche! Ouais, dites-moi. Vous connaissez la différence? Sac à brûler au four, une bière dans un congélateur et une femme enceinte? Bah, bien sûr que je la connais. Dans tous les cas, c'est un homme qui a refusé, qui l'a pas sorti à temps. Exactement. Ouais, je sais, putain. Eh, blague de bof, tu m'auras pas, Nova. Bon, eh, les garçons, vous changez à droite. Les filles à gauche, mettez votre tenue de sport. Kirby, c'est à gauche, hein. Et ensuite, on va. Bah, pour toi, c'est à gauche. T'es sûr? T'es sûr? Ma petite fantaisie! Allez, vas-y, ma petite fleur orangée. Oh, je t'aime. C'est quoi cette tenue de salope? On dirait un pyjama. Oh, Brandon. Non, non, je l'ai mis avant. Eh, hey, Brandon, je vais... Non, je l'ai mis avant. Je me suis même pas retourné. Je te jure que je me suis même pas retourné que je l'avais. Brandon, je vais pas... déjà là. Brandon, ouais, change de tenue, change de tenue, change de tenue. Jamais de la vie, c'est la mienne. Oh, ça lui va tellement pas. De quoi je vais pas la changer? Va sur le foutre. C'est la tenue de sport qu'il y avait dans le vestiaire. Ah oui, bon, ok, bon, c'est bon alors. Je crois que ça me va pas trop, mais... Non, ça me va pas trop, Brandon, en vrai. Non, ça te va pas du tout. Non, vraiment, si, ça va aussi un peu. Non, regarde, 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 monsieur le professeur, pourquoi on fait pas cours de golf, d'escrime? Parce que c'est bien, foot. C'est un sport d'enculé, ça, Brandon. Comment ça, un sport d'enculé? C'est un sport d'enculé, c'est comme le ping-pong, c'est un sport d'enculé. Bah, même du tennis de table, j'aime bien. Bah, non, on fait le sport de grosses couilles, Brandon. De grosses couilles, ok. Basket, le tennis. J'espère que je serai doué au foot. Je pense que t'as un sacré paquet, Brandon. Hein. On m'a dit que je ressemblais à Pedri. Mais je sais pas si Pedri il est fort. Ah, c'est un enculé, Pedri, je te demande pas. Ouais. C'est un Barcelonais, moi. Ah, bah, je ça me va bien alors. Non, t'es pas un enculé, Brandon, arrête tes conneries. On m'a dit que vous avez mis des sacrés branlés à la classe des verts. À quel sport? À la bagarre. À tout. Bagarre, ouais, c'est les victimes en de tout le monde. En même temps, les verts. C'est les victimes de tout le monde. Littérature, tout. En même temps, Patoche, on est la meilleure classe. Ou quoi là? Faut leur expliquer qu'on en se parle. J'ai l'impression qu'elle va venir pour maquiller. Elle se bombe pas, dis-leur là, on est pas en... Eh, hey, Brandon, je vais pas y aller les gars, parce que sinon je vais avoir une pression au cul. Quand tu cours, tes vœux, ça te gêne pas? Non, justement, ça me donne du style. Ok, carré. Genre tes cheveux, ils vont tous d'un coup en arrière et tout comme ça? Ouais, c'est ça, okay, c'est stylé. Carré, carré. Bon les gars, vous êtes bon. Il a foutu un bol sur la tête et il a coupé les contours. C'est pas vous nous rejoindre. C'est pas un bol, c'est un saladier. Calme-toi, Jean-Charles. Aziz, ok, je m'appelle Aziz. Alors, quand ils font l'appel, t'appelles Jean-Charles. D'accord, ok, bah c'est mes parents, j'ai pas choisi. T'imagines, j'ai choisi mon nom à la naissance. Eh, hey, mais qu'est-ce que j'ai. Y'a pas de problème. T'assumes pas de t'appeler Jean-Charles. Vas-y, les gars, c'est pas grave. Non, je m'appelle Aziz. Tu peux t'appeler JC si aussi. Tu veux. Non, je m'appelle Aziz. Vandamme, il s'appelle JC. Hein. Bah ouais, mais justement, c'est un trou de cul, Vandamme. Comment ça? Comment ça? Bah attends. Non, là, faut le frapper, faut le corriger là. Vas-y, là, tu vas prendre une correction. Comment ça, Vandamme? Non, c'est vrai, c'est un trou de cul, genre Vandamme. T'as bien vu? Et chez Mobile, tu lui dis en face, tu vois la brandée qui va. C'est l'hiver, l'hiver, c'est l'été. Mais du moment qu'il y a l'orage, il y aura le printemps. Mais le printemps, il n'est pas encore arrivé vu qu'il y a encore l'automne. Eh, tu le connais bien pour un trou de cul, hein? Tu le connais bien pour quelqu'un de jeune? Bah ouais, mais bon. La tête, on dirait vraiment que t'es vieux, hein, parce que Vandamme, moi je connais juste les combats, quoi. Merci Spicy pour le 5e mois. Connais ses films, quoi. Menteur, t'es un menteur. Les gars, regardez. J'ai Bloodsport. Un de vous qui va au goal. Moi, ça c'est. Tous ces films, c'est des classiques. Brandon, okay, tu vas au cage? Non, j'y vais pas. Vas-y, Brandon, au cage. On est là. Voilà, c'est bon, regarde, on a notre goal là. Regarde, pas. Regarde, Kirby. Vas-y, Kirby. Va au gardien. Ouais. Vas-y, je vais arrêter les deux balles, moi. Voilà. Vous allez mettre des grosses frappes? Ouais, bien sûr. Tu crois que je vais me retenir? Vous allez chacun votre je vais la fusiller, j'en ai rien à péter.
Ben vas-y, vas-y, on va commencer. Entraînement penalty. Pour vie. Wesh. Elle a sauté un peu avant. Elle a pas, ouais. Elle a pas compris le but. Kirby, faut attendre que la personne tire pour plonger. Vas-y, vas-y, je tire. Non, mais j'étais en train de... Vas-y, t'es prête ou quoi au lieu de raconter ta vie là? Non, elle non, est aussi forte que Hugo Lloris au penalty. Vas-y, t'es prête? Vas-y, voilà, vas-y, fais voir ce que t'as. Voilà. Oh la barre de crâne, c'est incroyable. Bah ouais, mon pote, y'a pas le temps. Bah vas-y, saute. Allez, Brandon, putain, mets-lui une mine. Kirby, ils sont au bon moment, hein. Vas-y. Tu l'as pas vu arriver. Tu l'as pas vu arriver. Eh, Tipon, tu dois la tabasser. Tipon. Tipon, vous avez vu, monsieur? J'ai vu, j'ai vu. J'avais un don pour ça. Kirby, le but. Vas-y, Aziz. Le but, c'est d'être gardien, pas de faire monsieur mime. Saute, putain. Eh, je peux pas faire de frontal, mon gars. Je fais comment? Je peux faire que des gauches-droites, c'est la demeure. Bah. Quoi, je peux faire... Oh, je peux faire ça. Attends, mais attends, tu tires. Oh, dommage. Mais c'est pas... Les gars, les gars, arrêtez de tirer. Faut tirer à gauche et à droite. Ouais, elle a raison. À gauche et à droite. Elle a raison, elle a raison. À gauche et à droite. Regardez bien à gauche et regardez bien à droite. Vas-y, Nova, vas-y, à toi, Nova. Voilà, que gauche-droite. Allez, Nova, fais voir. Et pour armer bien fort ton pied, mais tu maintiens ton pied, quoi. Waouh. Bah, elle a marqué en même temps. Franchement, je peux te féliciter la tête. Attends, mais Nova, mais... Waouh, Nova, t'es déterminé, toi, hein. Bien joué, Nova. Vas-y, Aziz, à toi. Eh, hey, t'arrives à marquer en cassant la gueule de Brandon. Vas-y, à droite. Oh, tu as cru, hein. Oh, la pointe. Voilà, voilà. Excuse-moi, je m'attache. Je m'en culé, quoi. Eh, ma petite fantaisie, tu me tues. Voilà. Non, le problème, c'est que je pense qu'il faut changer de gardien parce que c'est trop facile là. Vas-y, vas-y, Brandon, va. Vas-y, Brandon, eh, vas-y, on va voir si tu fais mieux. Tu vas comprendre, et tu vas bien comprendre. Yeah. Voilà. La toile d'araignée, la toile d'araignée. À deux doigts, mon petit Brandon, putain. Oh, mais non, c'était pas ça. Eh, mais Nova, mais t'es une sacrée tireuse de Nova, quoi. Merci. Putain, quoi. On dirait t'as tiré pour ta vie. Voilà. Vas-y, on l'enchaîne. Vas-y, Kirby, ouais. Carré. À moi maintenant. Attends, attends un peu. Attends un peu. T'as vu, si tu veux. Carré. Il faut que je le passe avant. Mais tu me dis carré. Il faut que je le passe avant, c'est ça. Bah ouais, carré. Tu tires à gauche. Ouais. Bah ouais, carré. Attends, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Et carré, c'est comme PES. C'est pour tirer, t'as vu. Ah, c'est, je suis prêt. Wouah. Quoi? Quoi? Arrête, Brandon, arrête. Calme-toi. Calme-toi. Ça m'énerve, j'arrive pas à en arrêter une. Il s'énerve. Faut pas s'énerver contre le gazon. Brandon, ah ouais. T'inquiète pas, ça va y... Okay. Tu vas y arriver. Okay. Nique pas le terrain, Brandon. Je suis prêt. Wouah. Ouais, j'étais sur un autre terrain, j'étais mais sur non, mais, terrain. Hey, c'est pas dedans, hein. Il l'a mis dehors. C'était pas dedans. Ah bon, ouais, carrément. Ouais, je l'ai balancé ailleurs. Vas-y, tire. Ah, laissez-moi me faire me mettre direct mon espace, là. Ok, nickel. Ouais, ouais. En fait. Ok, ouais. c'est bon, d'accord. Ok, vas-y. Carré. Wow. Oh, t'es pas loin. Mais non, elle a arrêté là. Gardien. Eh, mais ça a l'air trop dur en fait. Les gars, c'est les années d'entraînement. Tu me dis quand t'es prêt, hein. Eh, attends, je vais au cage après. Les gars, moi je suis un excellent gardien. Non, oh, bah, tu ouais. l'as pas. Brandon, t'as fait le tir de l'aigle ou quoi? Bah ouais, j'ai essayé de mettre là, j'allume. C'est pas vrai. Là. Oui, garçon. Attends, Nova, je vais leur montrer, je vais vous montrer comment. Vas-y, Patoche. Vas-y. Attendez, Patoche, je vais réussir une dernière fois. Vas-y, allez, réussir. Attends, vas-y, c'est moi qui fais baby girl, t'es prête? Sur ta droite. Avec ta baby girl, toi. OK. Sur ta droite, 3 2 1 go. Bah attends, bah, mais je suis pas sur ta droite. Mais j'étais à droite. Non, là t'as été à gauche. T'as été à gauche. T'es allé à gauche. Mais non, là tu vas à droite. Non, là tu vas à gauche. Je me jure que je vais à gauche. Non, mais c'est pas où est son crâne. Elle porte un pull dans le chien. Voilà, là c'est à droite. Là, ok, d'accord. Là c'est à droite. Elle est bizarre. Ah, elle est trop bizarre. On va pas y arriver. Attends, je refais baby girl. Merci Batcat pour le prêt. Sur la droite. T'es prête? Sur ta droite. Est-ce que c'est peut-être dommage. Monsieur, regardez, j'ai regardé une vidéo pour une célébration. Incroyable. Ah ouais, attention. Ah, il aime le foot. Ah oui.
Vas-y, Patoche, au cage. Attends, je vais l'allumer, les gars. Vas-y. Vas-y, Brandon. Mets le Lulu. Bah. C'est le moment de la. Pied. Oh. Ah, j'ai pas. Il a sauté à l'opposé. Montre-moi, fais voir comment on fait. Lulu, ça va. Passez haut. Il saute toujours au mauvais endroit, lui. Vas-y, on en va. Quelqu'un va arrêter un tir aujourd'hui. Les gars, j'ai l'impression qu'on est tous des passoires. Non mais arrête. Mais plus haut. Arrête de sauter à ta droite, c'est Patoche. Ok, vas-y, j'ai un jeu. Là, je l'ai arrêté là. Non, t'as mis une pointe, moi j'ai vu une pointe de frappe. Moi j'ai pas vu tirer. Moi j'ai juste pas frappé, t'as vu. Monsieur le prof, j'ai un jeu. Vas-y, dis-moi. Vu qu'on n'arrive pas à arrêter la balle, du coup ça sert à rien depuis tout à l'heure. Maintenant j'ai une idée. On va faire ce qu'on appelle un crossbar challenge. J'ai vu ça sur TikTok. C'est quoi? En gros, le but c'est de tirer et de toucher la barre transversale, celle qui est en haut là. Vas-y, moi ça me va. C'est possible. Et tous ceux qui. Bah, je l'ai fait. Regardez, je l'ai fait deux fois. Regardez, on tire tous. Celui qui touche, il est qualifié pour le tour d'après. Et le dernier à pas avoir touché la barre, il est disqualifié. Et tout le monde le tabasse. Ah, regarde, vas-y, commence. Moi je comprends pas trop, mais vas-y, je vais regarder. Tu dois toucher la barre en haut, c'est simple. Même moi je connais pas le truc, mais j'ai vu ça sur TikTok. Il a pas touché. Je te dis, vas-y, regarde! Il a pas compris. Dommage. Tu l'as presque touché. La barre en haut. Ah, mais peut-être que. Jordan n'était pas loin. Comment ça, Aziz? C'est sûr que j'ai touché. Non, parce que Jordan il a presque réussi. Mais j'ai touché pour de vrai! Arrête, Aziz! Non! Voilà! Non! Mais t'as pas réussi, man! Non, mais je crois que c'est tout! Je crois que Aziz il a touché aussi! Ok, pour s'entraîner là! Ah ouais, ça marche pas! Bah j'ai touché aussi là! On finit le tour en buvant! Venons, on fait les combats, les gars, si vous voulez! Vous aimez trop vous battre, vous, monsieur! Patoche, vas-y, tu veux te battre contre qui, Patoche? Et là, tu l'as vu la deuxième barre qui s'est fait toucher ou pas? Eh, Patoche! Et celle-là, tu l'as vu? Patoche! Non, man! Viens, on se bat sur le truc bleu là-bas là! Et le premier qui sort du ring, on le tabasse tous! Ouais, si vous voulez! Oh, ouais, carrément, vas-y! Eh, celui qui sort du ring, il se fait tabasser par tout le monde! Oh! Waouh! Tu perdu, Patoche! Eh! On doit tous aller dessus! Non, celui qui sort du ring, on le tabasse tous! Ah, ok, vas-y! Vas-y, premier combat, celui qui sort, on tabasse! Et si on va tous dedans, le premier qui sort? Regardez, j'ai mieux, on va tous dessus et le dernier dessus, il a gagné. Ouais, je pense que c'est mieux, on va faire un Royal Rumble. Hein. Le dernier qui est dessus. Vas-y. Allez, un petit peu. Vas-y, vous êtes prêts? C'est parti. Vas-y, ça part. Brandon, t'as perdu. Aïe. Mais attendez, mais c'est le dernier qui reste dessus qui gagne. Mais t'as pas le droit de faire ça. Oui, c'est le dernier qui reste dessus. Eh, hey, je suis malin, c'est tout, cousin. Voilà, t'as passé. Oh, t'as pas le droit! Vas-y, depuis quand on a pas le droit d'être malin? Merde, comment je me lève? Attends! Les gars, y'a Jordan qui s'enfuit, les gars! Je te laisse gagner! Jordan, reviens! Je t'ai fait sortir, j'ai gagné dans tous les cas! Jordan, on te voit, reviens! Venez me chercher! Non, t'es sorti du ring, Kirby, là, c'est bon? Attends. Waouh! C'est bon, attends, carré. Oh, c'est bon. Jordan, vraiment, hein, t'as rien. De quoi? Je m'attendais pas que tu te couches comme ça. Là, mais non, mais. Non, vas-y, t'as pas vu ce qui s'est passé. T'es couché, mais non. J'aimerais bien qu'on arrête un penalty. Vraiment, ça serait bon. Non. Ouais, les autres classes, elles ont arrêté un penalty. Ça marche pas. Ouais, les autres, ils ont réussi. Je rappelle, faut pas tirer au centre. Hein. Pourquoi tu me pousses? Mais arrête, non, Nova. Oh, désolé, j'étais obligé de te calmer, cousine. C'est bon, je suis prêt. Désolé. T'es prêt? Merci. Wouah! Oh la barre! Mais la barre, elle est folle! Attends. Bien joué! On a des points en plus! Non, je crois qu'il a arrêté! Il a arrêté! Bah attends, j'ai pas tiré, il est con quoi! Moi j'ai vu le poteau, je crois! Mais elle a fait une célébration! T'es prêt? Je suis pas prêt! Attends! Eh! Tu veux que je te dise où? Tu veux que je te dise où je tire? Vas-y, où? Ah, à ta droite! Ok, vas-y! Dommage! Bah non, t'as rien arrêté! Si, il a arrêté! Mais non, il a. Non, il a arrêté, Aziz, il a arrêté. Oh, il a arrêté. Me dis pas, je suis trop fort, de toute façon. Ok, vas-y.
Waouh. Non mais elle faut... Mais non mais elle fait sa technique spéciale. Vas-y. Ouais, t'apprends rien. Voilà. Elle fait le tir de Bruce Lee, c'est un truc de fou. Elle a pas le droit de faire ça. Bah ouais, c'est de la triche, elle fait un ninjutsu. Oh non, j'ai mal regardé. Les gars, je l'ai vu jamais regardé, vas-y, chier. J'ai mal regardé. T'as arrêté quand même. Attends. À ta droite. Mais ça marche pas. Ah si, bah à ta gauche. Quoi? Vas-y, maintenant. Oh, oh ouais, poteau, 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 poteau. C'est bon, tu l'as arrêté là. Non, c'était poteau. C'était poteau. Vas-y, à ta droite. À ta droite. Bien joué, bien joué. Bien joué. Pas mal, hein. Bien joué, carré. À gauche. Ta gauche, plutôt. Non, mais me dites pas, je suis assez fort maintenant. Ah, mais j'ai pas eu le temps, j'étais pas prêt. Non, mais arrête, calme-toi. Aziz, arrête. Hey, il voulait tabasser Nomba. Et Jordan, je dois analyser le mouvement. Viens vite. Ok, repense ta foot de rue, tu vas y arriver. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et tu sais, quand j'étais en train de me changer avec Nova là tout à l'heure, ouais. Elle m'a pris par la main et tout. Quoi? Et on s'est fait des bisous sur la joue, on s'est fait plein de bisous. Bah, c'est bien, t'es content? Je te jure, man. Ouais, mais je comprends pas ce qui se passe. Bah, comment ça, tu comprends pas? Hey, regarde. Attends, oh, pardon. Attends. Oh, attends. Quand même, hein. Reste concentré. T'es musclé. Reste concentré. Jordan. Ouais. Tu te rappelles de l'animateur qui m'a humilié la dernière fois avec ma mère et qui raconte à tout le monde que ma mère était actrice porno et qui regardait les trucs devant moi dans sa voiture et tout. Ouais. Et ben là, il est venu me voir et m'a dit: alors Nova, comment elle va ta mère? Qui? Et je lui dis: bah elle va bien. Il m'a dit: ah bah ça, je suis au courant. Du coup, ce soir, on fait un plan. Attends. Du coup, ce soir, on fait un plan et on le pousse d'un toit ou on le tabasse. On s'en occupe. Ok. Vas-y. Carré. Lui, je vous jure, je veux lui. Allez, vous soignez, jeune. Vas-y, carré. Ouais. Patoche. Ouais. Tu peux me soigner là, parce que avec le ring là, ce qui s'est passé, j'ai rampé sur 8 km, sa mère. Alors, je te vois pas, je suis pas infirmière, moi je peux rien faire pour toi. T'es pas infirmière pourtant. Non, mais ce que je voulais te dire, c'est que par là, j'ai l'impression que depuis que tu vois, je te. Je sais pas. Depuis que vous avez créé ensemble. Depuis que je te fais des petits mots de vous. Ouais, vas-y, ouais. Bah, bizarrement, maintenant elle me saute dessus, la tigresse. Et ben voilà. Qu'est-ce voilà, elle te griffe ou quoi? Je suis pas si me griffe, en tout cas, dès que je te drague maintenant, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, bah vas-y, alors. Je vais continuer encore. Non, par contre. Bah voilà, si, bah si, ma petite verre des îles, ça marche bien. Oui, mais faut pas me draguer. Je vais continuer. Drague Aziz. Non, man, j'ai pas envie. Non, toi, tu m'excites. Oui, mais Kirby, t'es plus baraque que moi, cousine. Tu vois ou pas? Man, je suis pas plus baraque que toi, tu ris, tu déconnes ou quoi? Attends, t'es carré de fou. Non, t'abuses. T'as vu commenter, toi, par contre? Arrête un peu ta comédie, vas-y. Arrête, allez. Quand t'as le béton et tout, je m'attendais pas à voir des muscles saillants comme ça. Arrête un peu. Des tablettes de chocolat. Ouais, c'est vrai que tu me décris bien. Ouais, c'est vrai que c'est bien moi, ça. Allez, vite. T'as vite. Tu me connais, Kirby. Tu me connais, carré, Kirby. En vrai? Ouais. T'es bandant quand même. Arrête un peu, mais tu peux pas. Je peux pas. Tu peux pas bander, Kirby. Je sais, mais t'as capté, c'est ma façon de parler. D'accord, ok, carré. C'est pour dire que t'es excitant. Carré. T'es excitant, bordel. Arrête, c'est bon, Kirby, on a compris, je crois. Non, t'as pas compris. Si, je t'assure, j'ai compris, c'est carré de fou. T'es sûr? Oui, c'est carré dans l'axe. Que dans l'axe, voilà. Non, ah, que dans l'axe. Ah, oui, c'est bon. Step to me, so don't you bother looking this way. 100,000 on me, I just got wifey by like 6 ranks. Tried to say they ballin', but that isn't what they bitch say. Doing all I want, it's on the regular. I talk that money talk, it's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining, I can't hide them, I can't get them.